Oh, j'ai tué un coyote il y a 2 ans quand on a commencé l'équipe. On chasse un petit îlot de ce bord-là, puis il y en a un autre en arrière de moi. Là, Francis, il est parti se placer à peu près 100 mètres en bas du vent. Puis c'est moi qui vais caler. Fait que comme ça, si le coyote, il se déplace comme ils font normalement pour pogner la senteur, il va se retrouver juste d'en face à Francis. Puis on a fait ça parce que on va essayer d'en tuer avec le fusil. Fait que si ça arrive, ben Francis va être bien placé pour faire la chope. Fait qu'on va regarder comment ça va aller. Yeah.
Maman! Francis, dans mon champ! Non, dans mon champ, il y en avait deux. Il est encore là, il nous regarde. Il bouge pas en avant de moi, juste là-bas, juste dans le labo. Il bouge! Y'en a encore un, Francis! J'essaie de le voir, je le vois pas! En plein milieu du bois, juste passé le labo dans le gazon brun! Il bouge pas, il nous regarde! Il bouge là, il s'en va vers le bois! Il est juste sur le bord du blanc! Plein milieu du bois! Him again. Hein? Tire encore! Qu'est-ce que je suis mal placé? Il est sur le bord de la neige! Il branle encore, Frank. Ouais, il a bien planté, on va aller chercher. C'est beau! Ça, c'est notre tireur. Pas pantoute, hein, ils sont rentrés deux, j'ai jamais vu le deuxième. C'est juste quand t'as tiré le premier que j'ai vu le deuxième. Ouais, et lui, je l'attendais au gauche. Ouais, l'autre t'as juste dans le blanc en face de moi, je l'ai jamais vu. Moi, je t'assure que tu l'avais au 12, là. J'ai juste eu peur que je pensais que tu regardais ailleurs, puis tout d'un coup, tu t'es reviré, puis c'est pour ça qu'il est parti. Ben non. Ça serait pas toi qui est là, je suis à côté de toi, là? Non, non. Là, là. Oh oui. Comme ça, là. Je pensais qu'il était là-bas. À un moment donné, quand j'ai vu lui, j'ai perdu l'autre. Je sais que t'as tiré une shot sur l'autre. Oh wow, hey, c'est un baquet ça aussi. Bon ben. Ah. Salut tout le monde. Les vacances sont pas finies, puis ça continue à bien aller. Un matin, j'étais allé faire une passe avec Dédé, puis il n'y a rien qui bougeait. Il y avait un peu de vent, puis... C'était pas les conditions propices. À soir, c'était les conditions parfaites. Fait que Dédé pouvait pas, j'appelle Paul à aller faire une passe. Ah, oh, je suis le bouche-trou. Ouais, c'est ça. Fait que on s'en va d'un spot qu'on n'avait pas encore chassé cette année. Paul n'avait tué un l'année passée. Deux ans. C'est notre premier à nous autres. C'est ça. Exactement, il y a deux ans. C'est un spot, c'est le quatrième ou cinquième que je tire, puis on tire pratiquement toujours le soir ici. Il y a une grosse porcherie plus loin. Puis le bois est plus gros, il passe la journée là.
ils vont manger dans les restants de boucherie, puis à noisseur, ils s'en reviennent faire le tour des petites pointes ici. On doit avoir resté caché quasiment une heure de câble. Ouais. Ah, je pense qu'on était. Il nous restait 15 minutes de lumière, puis on est arrivé à peu près une heure d'avance. Fait qu'on, ça fait 45 minutes au moins. Là. C'est ça. Mais ce genre de spot-là, quand on connaît le pattern des coyotes, ben ça. Anyway, comme qu'on jasait en s'en venant, là, vous passez la journée à y prospecter, à vous placer un peu partout. C'est pas le temps de partir dans les 10 dernières minutes de clarté. Là. Puis ça a payé. Moi, je t'ai placé à peu près 150 verges plus bas que Paul pour essayer de les pogner au shotgun. Paul s'est mis à faire des becs pour me signaler que les coyotes s'en venaient. Puis j'étais sûr qu'ils s'en venaient sous moi. Ils s'en venaient en belle ligne droite pour la décharge. J'étais sûr de le tuer au shotgun. Rendu à peu près à 150 verges, le coyote a viré de bord. Fait que je me suis dépêché, j'ai lâché, j'ai pogné la carabine, je l'ai essayé à la course. Puis pendant tout ce temps-là, moi, j'étais concentré sur lui. Paul t'a concentré sur sa caméra, puis on s'est pas rendu compte qu'il y avait un coyote à peu près à 100 verges de nous autres qui s'en venait directement dans pour moi. Dans le champ de neige, bien visible. Ouais, fait qu'on était bien trop concentrés. Vous allez voir, juste un instant, à un moment donné, là, je me mets à crier à Francis qu'il y en a un autre. C'est parce que la façon dont je m'en suis rendu compte, je suivais le coyote qui essayait de tirer, puis là, à l'écran, j'ai vu un beau coyote apparaître dans mon écran, puis j'ai dit, si bol, il est en plein là. Fait que finalement, manque deux shots sur celui-là à la course. Paul m'écrit, il y en a un dans l'autre champ, viens d'abord. L'autre, t'as rendu à 400 mètres à la course, essaye ça, manque la shot. Il veut d'abord, il veut aller rejoindre le premier, fait qu'il suit le long du bois. Là, moi, je me cherche des balles, parce que je m'attendais pas à tirer autant. Fait que j'ai Paul qui me crie, il est encore là, il est sur le bord du bois. Moi, je le cherche, je check encore à l'autre bout, je regarde pas à bonne place pendant tout. Paul, il me crie, il est dans le milieu du bois. Finalement, je réussis à le voir ici. Et heureusement, j'avais pogné ma distance au début de la chasse. Le coyote s'est mis vraiment pancarte à 392 mètres. J'avais déjà ma distance. Fait que là, il est tombé comme une poche. J'ai réussi à avoir finalement le shot du coup arrêté. Ça s'est pas passé comme on voulait, mais l'important c'est qu'il est à terre. Fait que good job. Un autre pour l'équipe, on lâche pas.